Salut les cowboys! Aujourd'hui, on va répondre à la question qui a sûrement été le plus posée sur les forums depuis la sortie de Red Dead Redemption 2. Comment attaquer une banque en dehors des missions? Beaucoup ont essayé, mais combien ont réussi à rafler la mise? Nous allons voir tout ça au travers de 3 exemples, et dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, nous saurons s'il est possible de braquer ou non des banques hors scénario. Sans perdre de temps, nous allons tout de suite commencer par celle de Valentine. Comme vous pouvez le voir dans cette séquence parfois fort classe, pour celle-ci ce n'est pas possible. Passons maintenant à celle de Rod. Malheureusement, malgré toutes mes tentatives, ici aussi les voies semblent être bloquées. Et pour finir, essayons d'attaquer la banque de Saint-Denis à mes risques et périls. Comme prévu, dans cette situation non plus, je suis dans l'impossibilité de pénétrer plus loin que l'accueil. Et en plus, je risque de me faire encercler par la moitié des flics de la ville.
Alors je pense que vous en doutiez, il n'est bien évidemment pas prévu pour le moment de braquer la moindre banque dans le mode solo, au grand dam des apprentis gangsters qui passent leur temps le bandana sur le museau. Malgré tout, pour le coup, j'ai pu perfectionner une technique pour fuir efficacement de Saint-Denis. Nul doute que Red Dead Online nous proposera son lot de braquages inédits et il sera à ce moment-là temps de mettre en pratique toutes les méthodes que nous avons expérimentées ensemble. En attendant, il faut aller checker mes autres guides, je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous dis à plus les casus! Ah, au fait, j'allais oublier, mais pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'à la fin, je réserve une belle surprise au premier qui me dira en commentaire de quel film est tiré le thème que j'ai utilisé pour cette vidéo. Je vous aide déjà beaucoup en vous disant que c'est un film. Quoi ? Il vous en faut plus ? Ok, dans ce cas, cherchez plutôt du côté des classiques des années 80. Allez, cette fois, je vous laisse vraiment, on se retrouve très vite sur Red Dead Online. D'ici là, je vous dis bonne aventure à tous ! Ain't no place for hillbillies like you in town.